Mola Archives Sonores. Please meet the great American writer, the man who has faced horror itself, who has caused so many sleepless nights to so many people, Mr. James Ellroy. Yeah. People have always wondered. Les gens sont toujours demandé. Yeah. Where did existentialism come from? L'origine sont toujours interrogés sur l'origine de l'existentialisme. Who are these motherfuckers, Sartre, Camus, and de Beauvoir? Et Sartre, Camus, de Beauvoir, ces enculés, qui étaient-ils? Let me tell you something that happened in 1947. Je vais vous dire ce qui s'est passé en 1947. I blew into Paris. Ouais, je débarqué à Paris. I just gotten out of the army after the war. Ouais, je sortais de l'armée après la guerre. Killed a lot of fucking Nazis. J'ai tué pas mal de nazis. Yeah. Liberated a few concentration camps. J'ai libéré quelques camps de concentration. Had a big affair with Corinne Calvé. J'ai eu une liaison avec Corinne Calvé. I poured her the pork till the hogs hollered for help. Alors ça, c'est pas traduisible. Il a vraiment mis le paquet, quoi. Il a mis le paquet, mais je peux pas traduire. Ma pudeur s'y refuse. I developed a following in Paris among the left-wing, left-bank intellectuals. Et je me suis fait une réputation et beaucoup de partisans auprès de l'intelligentsia gauche de Paris. They hired a big room for me at the Sorbonne on August 5th, 1947. Le 5 août 1947, ils ont loué un amphithéâtre pour moi à la Sorbonne. They were all there. De Gaulle was there. Camus, Sartre, De Beauvoir. De Gaulle, Camus, Sartre, De Beauvoir. Tout le monde était là. René Coty. Et René Coty. Il ne faut pas l'oublier. Yeah, the very young François Mitterrand. Ça va. Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret. They were all there. Le Pen, Maigret. Tout le monde était là. Et Massu. I walked up to the podium. I was smoking a Gauloise. Je suis monté sur l'estrade avec ma Gauloise. I was wearing a black beret. Mon béret noir. Walked up to the podium and said, "Je suis l'étranger." Et... And existentialism was born. Voilà. Yeah. L'acte de naissance de l'existentialisme. Après cette introduction, je vais vous expliquer un peu quel est le protocole ce soir. Christophe Dupuis va rappeler, Christophe Dupuis qui est le directeur de la librairie Entre Deux Noirs et de l'association L'Ours Polar va rappeler brièvement quelles sont les œuvres de Ellroy et je vais faire une présentation de son œuvre après quoi, une dizaine de minutes à peu près, après quoi James Ellroy nous lira la première page de American Tabloid. Et puis, vous pourrez lui poser des questions. Ceci devrait durer à peu près, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, hein. Ceci devrait durer à peu près 3/4 d'heure pour l'ensemble, puisqu'on peut prévoir une séance de signature assez longue. Donc, le temps de présentation et de questions sera réduit à, disons, un maximum de 3/4 d'heure. Voilà. Et pour la signature, elle aura lieu ici. James Ellroy signera les romans ici. Il faudra que vous veniez les uns après les autres. Il y a bien sûr des romans qui sont disponibles là, à l'entrée de la salle. Voilà, donc je passe la parole à Christophe Dupuis. Donc James Ellroy a toujours voulu écrire, mais il ne pensait pas avoir l'intelligence pour devenir romancier. En 78, il a l'idée d'écrire ce qu'il deviendra Bruns Requiem, qu'il publie en 1981. En 82, il publie Clandestin, un hommage superficiel à sa mère, dont le héros était un jeune flic ambitieux, avec l'ambition de se faire un maximum de femmes et réussir à tout prix. À cette époque, Ellroy était pareil, jeune écrivain ambitieux qui brûlait de réussir. Ensuite, il entame sa trilogie Lloyd Dobkins. Saga de ce flic commence en 1984 avec Lune sanglante. La même année, il publie À cause de la nuit. Il rencontre son agent Nat Sobel et depuis, il n'a rien fait d'autre qu'écrire. On comptera pour 5 épisodes de Lloyd Dobkins. Ellroy n'en écrira que 3. La colline aux suicidés paraîtra en 86. Et il écrira un plan détaillé du 4e qu'on peut lire dans le numéro polar des éditions Rivage qui lui est entièrement consacré. Cette trilogie époustouflante révèle bien le style d'Ellroy avec des livres rapides, violents, brutaux et noirs qui se passent dans le Los Angeles des années 80.
Aux abois financièrement, il accepte d'écrire un tueur sur la route, portrait d'un serial killer vu de l'intérieur, qu'il boucle en un peu moins de 5 mois, ce qui est assez rare pour l'œuvre d'Elroy. Ça paraît en 86. Libéré d'Hopkins, qui était trop pesant pour lui, et voulant absolument écrire sur l'affaire Elizabeth Short, il se lance dans le Dahlia Noir en 1987, la première pierre de son épique quatuor de Los Angeles. S'en suivent Le Grand Nulle Part en 88, à mon avis le livre le plus noir et le plus violent qu'il ait écrit, Elle est confidentielle en 90, adapté au cinéma par Curtis Hanson, et White Jazz en 92. White Jazz qui sort d'ailleurs en avant-première en France et qui marque un tournant éditorial pour Elroy qui rejoint le prestigieux éditeur Knopf. Ce quatuor, basé dans Los Angeles des années 50, marque un tournant dans le style Elroy et aussi dans ses intrigues car il décide ensuite d'abandonner le polar pour se concentrer sur l'histoire de l'Amérique. 93, il publie Dick Continuous Blues. Et en 95, il entame son triptyque de Underworld USA avec American Tabloid et le deuxième volet qu'il nous présente aujourd'hui en exclusivité mondiale en France, sorti chez Rivage, ainsi que tout le reste des éditions des livres d'Elroy. Donc c'est la raison de la venue de James Elroy, la sortie en français avant la version originale en anglais du livre dont le titre français, paradoxalement, est American Death Trip, le titre anglais est A Cold 6000. Et on peut dire qu'avec ce dernier roman, en effet, James Elroy confirme un virage qu'il a amorcé avec Ma part d'ombre et avec American Tabloid, avec ce roman qui est donc le deuxième de la trilogie Underworld USA. Underworld, bien sûr, c'est le monde souterrain, c'est celui de l'enfer, des âmes damnées, et c'est aussi celui de la pègre chez Elroy. Les romans précédents, on peut le dire, ressassaient de façon assez obsessionnelle, disons, une scène primitive cauchemardesque qui associait la mort, la violence, le sexe, la féminité. Une scène primitive dont le Dahlia Noir nous a donné la représentation peut-être la plus hallucinante et la plus hallucinée, qui a fait de Elroy un écrivain culte et aussi une espèce d'artiste maudit côtoyant l'horreur sous toutes ses formes. Avec Ma part d'ombre, donc, on assiste à un virage, une sorte d'exorcisme. Elroy revient, tente de réouvrir le dossier sur la mort de sa mère. Un exorcisme qui permet un retour au réel et une certaine forme d'ouverture. Les deux derniers romans sont une véritable sortie vers l'extérieur, l'extérieur de l'histoire de l'Amérique, de l'histoire collective. Non que le goût de l'histoire n'ait pas été présent dans les romans antérieurs d'Elroy. Elroy a toujours voulu explorer l'histoire et surtout les bas-fonds de l'histoire. Le Dahlia Noir, par exemple, s'ouvre sur les émeutes de 1943, qu'on a, en anglais, on les appelle les Zoot Suit Riots, les combats qui opposaient les marins américains aux Pachucos, Chicanos. Ma part d'ombre évoque les émeutes de Watts de 1965, etc. Mais avec les deux derniers romans, l'horizon historique s'élargit. Le décor n'est plus le Los Angeles des psychopathes. Il s'étend à l'Amérique tout entière. Il devient même planétaire, puisque le dernier roman nous promène de Cuba au Vietnam, en passant bien sûr par un peu tous les États des États-Unis. La forme narrative évolue en même temps. Disons que les premiers romans, conformément au code du roman gothique, tournaient autour d'un axe, un cœur de ténèbres, alors que les deux derniers romans sont beaucoup plus éclatés dans leur forme. Il n'y a plus de centre, il y a une surface éminemment glissante qui nous trimballe donc à un rythme, il faut dire, absolument effréné à travers l'histoire des années 60 des États-Unis, de la fin des années 50 exactement à la fin des années 60. Et pour ce dernier roman, American Death Trip, ce dernier roman fonce littéralement 850 pages, de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1963 à celui de Martin Luther King, et puis deux mois plus tard de Robert Kennedy, le frère de John, en 1968. Et le projet actuel de Elroy a donc quelque chose d'assez titanesque. Il s'agit de brosser une immense fresque de l'Amérique où la mort tient bien sûr toujours le premier rôle. Une fresque donc qui nous promène un peu partout et qui fait surgir un certain nombre de personnages historiques. Le roman d'ailleurs inclut des documents en encart, dont certains sont fictifs et nourrissent l'intrigue, mais d'autres ont simplement pour fonction d'ancrer le roman dans l'histoire et d'avoir cet effet donc d'ancrage dans une histoire événementielle connue de tous. Et le roman, et c'est sans doute l'un de ses intérêts, et James Elroy le dit lui-même, teste sans cesse la limite entre la réalité et la fiction.
une réalité qui, en fait, se nourrit de fiction, de machination, de simulation, de dissimulation, de vrais ou faux complots que les personnages ourdissent les uns à l'adresse des autres. Pour Elroy, qui entend réécrire à sa manière l'histoire américaine, l'histoire officielle n'est qu'une version de l'histoire à laquelle on peut opposer beaucoup d'autres versions, ainsi de l'assassinat de JFK, à propos duquel Elroy relance la thèse du complot ourdi par la mafia avec l'appui implicite du FBI. L'histoire officielle n'est qu'un miroir aux alouettes qui n'informe pas, mais qui fabrique et qui impose ce que Elroy appelle un consensus. La fiction d'Elroy fait voler en éclats ce consensus. Ceci étant dit, je ne crois pas qu'Elroy entende restituer une vérité occultée. Telle ne me paraît pas être la finalité de ses romans. Ses romans n'ont bien sûr pas valeur documentaire. Les personnages historiques évoqués, il y en a beaucoup, John, Robert Kennedy, James alias Jimmy Hoffa, Howard Hughes, Martin Luther King, Bayard, Rustin, John Edgar Hoover, ils sont réduits à quelques traits très stylisés. Les personnages fictionnels, fictifs aussi, sont réduits à quelques traits stylisés. Wayne Senior se réduit presque à sa cravache ou au moulinet de sa cravache. Sa femme Janice est signalée par ses clubs de golf. Pete, le colosse, Pete Bondurant, par les craquements des phalanges de ses énormes poings. L'économie du roman, la multitude des personnages, la complexité des intrigues exigent ce travail de stylisation, de théâtralisation extrême. L'intérêt n'est donc pas de substituer une vraie version clandestine à la fausse version officielle, mais plutôt d'interroger la vérité, d'interroger la réalité. Et bien malin d'ailleurs, qui pourrait jamais localiser la vérité dans le vertigineux labyrinthe de miroirs déformants, fausses routes, double cloison, faux semblants, messages codés, truqués à triple sens que nous envoient les deux derniers romans d'Elroy. Tout est supercherie, mascarade, mensonge. Aucun des personnages n'a d'identité stable, à part peut-être Barbara, l'épouse de Pete, chercher la femme. Les autres personnages jouent plusieurs rôles, occupent diverses positions dans diverses organisations, à la fois complices et rivales, au sein de diverses intrigues qui se recoupent, qui se chevauchent. Dans ce roman, tout est trafic. Trafic d'armes, trafic d'héroïne, trafic de sens. Rien n'est arrêté, rien n'est définitif. L'allié d'hier est l'ennemi d'aujourd'hui. L'image est celle d'un système rhizomique totalement instable, au sein duquel le lecteur, propulsé sans ménagement dans ses réseaux mouvants, ne sait jamais où il en est. Je vous conseille de prendre des notes si vous voulez lire le roman. Où en est-on avec ces agents doubles, triples, quadruples? Qui joue avec qui? Qui travaille pour qui? Où est le chat? Où est la souris? Qui sert qui? Qui trompe qui? Qui ment à qui? Pourquoi? Pour qui? Rien n'est sûr, sauf l'incertitude, les revirements, la désorientation et un plus total vertige. Elroy rejoint ici une problématique que d'autres romanciers ont abordé, les postmodernistes en particulier, une vérité insaisissable, des identités de rechange, la perpétuelle dérobade du sens. L'un des personnages est surnommé, le dictateur sud-vietnamien Ngo Dinh Diem, le pantin qui tire ses propres ficelles. The puppet who pulls his own strings. Bien sûr, à tort, il ne tire pas ses propres ficelles. Personne ne tire ses propres ficelles. Mais la question, c'est qui tire les ficelles? Who pulls the strings? Elroy, bien sûr. Mais de façon à nous donner le sentiment que dans l'univers qu'il décrit, personne n'est au pouvoir, car tout le monde tire en même temps sur toutes les ficelles, dans tous les sens. Elroy nous a dit par le passé combien il était important pour un écrivain de trouver une trame narrative solide. A strong narrative line, that's what you said, if I remember correctly. Le seul personnage un tant soit peu central ici serait celui de J. Edgar Hoover. Présence constante, éminence énigmatique, machiavélique, dont on ne connaît que la voix et vers qui convergent un certain nombre de fils et de coups de fil. Mais cette figure centrale, hermétique, paranoïaque, ne fait que renforcer une thématique de l'autorité absente qui ouvre sur le chaos généralisé. Bien sûr, il y a des constantes dans le monde de Elroy, la mort, la violence, la cupidité, la soif de pouvoir, la culpabilité, le besoin de payer ses dettes. Pay your debts. Mais comment et à qui payer sa dette? Who should you pay your debt to? Puisque tout le monde joue avec tout le monde et tout le monde doit quelque chose à tout le monde. Et pourtant, les principaux personnages d'Elroy ne sont pas dépourvus de conscience morale. Avec ce roman tout particulièrement, ils gagnent en ambiguïté, en complexité psychologique. Leur éthique de macho dur
n'étoffe pas une conscience morale qui prend d'ailleurs parfois les formes de la mauvaise conscience et qui permet à certains couples, par exemple, de continuer à exister avec une certaine forme de loyauté, de l'amitié et même de l'amour. Elroy nous parlera peut-être de rôle très particulier qu'il réserve au personnage féminin dans ce roman dont il a dit que c'était un hommage à la femme. La vérité de résister à l'entropie, pour finir, se manifeste aussi et surtout au niveau du style et de la structure, il faut en dire quelques mots. Plus les romans prennent de l'amplitude, plus la narration, le style se raccourcissent, et c'est ce qui frappe le plus dans le dernier roman d'Elroy, ce style, ce rythme, cet engagement dans la langue, une narration immédiate, physique, sensorielle, des mots en action, une action verbale, des paragraphes réduits à deux ou trois lignes, un rythme syncopé, haletant, musclé, des phrases de plus en plus courtes, lapidaires, percutantes, directes, concises, ciselées, une écriture coup de poing, une écriture énergie. Comme si, au bout du compte, face au sens qui se délite, il restait l'engagement dans l'action verbale, dans la matière physique de la langue. Dans la traduction en français, il faut le dire, est très réussie. Il faut le dire parce que c'est rare, je trouve, pour ce type de roman. Donne une bonne idée. Je vais vous en lire juste quelques lignes pour vous en donner une idée. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour la traduction en français. Wayne vacilla. Pete le retint. Un moine bouddhiste entra. Sa robe était trempée. Il avait l'air ahuri. Sa robe puait l'essence. Il s'inclina, il s'accroupit, il gratta une allumette. Il se transforma en niaque flambé. Déflagration instantanée. Le moine pétait le feu. Les flammes montèrent jusqu'au plafond. Les gouines détalèrent. Le moine cramait déjà. L'incendie se propagea. Quelques noctambules poussèrent des cris d'offrée. Le barman rafla un siphon. Le barman balança de l'eau gazeuse. Le barman arrosa le moine. La traduction en donne une bonne idée, mais je crois qu'il faut surtout entendre Elroy lire lui-même à haute voix pour s'en faire une meilleure idée. Et donc, je vais demander à James. James, please, could you read us the opening of American Tabloid so we can hear what it... So what I'm going to do, I'm going to read the opening to American Tabloid. I'm going to run for the toilet over there because when you got to go, you got to go. And Charlie is going to cover for me until while I drain the lizard and get back to you. America was never innocent! We popped our cherry on the boat over and looked back with no regrets. You can't ascribe our fall from grace to any single event or set of circumstances. You can't lose what you lacked at conception. Mass market nostalgia gets you hopped up for a past that never existed. Hagiography sanctifies shuck and jive politicians and reinvents their expedient gestures as moments of great moral weight. Our continuing narrative line is blurred past truth and hindsight. Only a reckless verisimilitude can set that line straight. The real trinity of Camelot was look good, kick ass, get laid. Jack Kennedy was the mythological front man for a particularly juicy slice of our history. He talked a slick line and wore a world-class haircut. He was Bill Clinton, minus invasive media scrutiny and a few rolls of flab. Jack got whacked at the optimum moment to assure his sainthood. Lies continue to swirl around his eternal flame. It's time to dislodge his urn and cast light on a few men who attended his ascent and facilitated his fall. They were rogue cops and shakedown artists. They were wiretappers of soldiers of fortune and faggot lounge entertainers. Had 1 second of their lives deviated off course, American history would not exist as we know it. It's time to demythologize an era and build a new myth from the gutter to the stars. It's time to embrace bad men and the price they paid to secretly define their time. Here's to them. 1 minute. On l'envoyait à Dallas descendre un maquereau nègre, un certain Wendell Durfee. Il n'était pas sûr d'en être capable. Son billet d'avion, c'était le syndicat des exploitants de casinos qui le lui payait, en première classe. Ils avaient ponctionné leur caisse noire pour lui graisser la patte. $6,000 cash. Ça, c'est le vrai titre en anglais. A cold 6,000. $6,000 cash. Personne ne lui avait vraiment dit. Décence négro, ne le rate pas, empoche notre prime. Le vol se déroulait sans histoire. Une hôtesse servait à boire.
Elle avait vu son flingue, elle lui faisait son cinéma, elle posait des questions idiotes. Il répondit qu'il travaillait pour la police de Las Vegas, qu'il dirigeait le service de renseignement. Il constituait des dossiers, il recueillait des informations. Elle adorait, elle s'extasiait. « Mon chou, qu'est-ce que vous allez faire à Dallas ?» Il lui expliqua. Pendant une partie de 21, un noir avait sorti son couteau. Il avait planté le type qui faisait la donne. Vous avez la possibilité maintenant de poser des questions à James. Je traduirai les questions et les réponses. Je voudrais savoir comment Elroy se situe par rapport à la scène littéraire américaine. Est-ce qu'il est considéré uniquement comme un auteur de polar ? Est-ce qu'il est considéré comme un écrivain parce qu'il est publié en France ? Est-ce qu'il est peut-être totalement inconnu aux États-Unis ou pas ? How do you situate yourself in the on the American literary scene? Are you classified as a crime fiction writer, or does the fact that you have been published in Europe make it possible for you to be considered as to be acknowledged more as a writer? Or Americans don't even acknowledge the existence of Europe. Les Américains se fichent totalement de l'Europe, donc ça marche pas. Yeah. Mm-hmm. Forget about that right off the bat. Yeah, I used to be a crime writer, then I wrote American Tabloid, and I went mainstream. Bon, j'ai commencé comme auteur de romans policiers, et puis avec American Tabloid, j'ai décidé de me consacrer à la fiction plus, disons, conventionnelle, de sortir de cette étiquette. Yeah, I moved uptown. Voilà, j'ai déménagé, j'ai pris un meilleur appartement. Yeah, I got a big pad. Ben, j'ai un bon appart maintenant. Because I'm a mainstream writer, and I write righteous historical novels. Grâce au fait que j'ai pris cette nouvelle orientation, j'écris maintenant des romans historiques. Mystery fiction is the ghetto. Oui, les romans d'enquête. It is the slums. Se constitue un ghetto. It is the third world. Voilà, c'est le tiers monde. It is Kosovo. Le Kosovo. Mainstream literature is the right bank in Paris. La littérature conventionnelle, c'est la rive droite. Did you say the right bank? Right bank. La rive yeah. droite à Paris. Ouais. It's the Leonard Bernstein suite at the Plaza Athénée. Voilà, la suite Leonard Bernstein à l'hôtel Plaza Athénée. C'est le luxe. Oui, moi j'aurais une question, mais concernant plus particulièrement le Quatuor de Los Angeles. Alors je ne sais pas si c'est trop approprié aujourd'hui. Vers le Los Angeles Quartet. Right. Mm-hmm. Voilà, donc en fait j'avais remarqué en le lisant que très souvent les personnages masculins tombaient amoureux de la petite amie de l'autre personnage masculin. A lot of times the male characters fall in love with their friends' girlfriends, with their male friends' girlfriends. Right, right. Mm-hmm. Yeah. Personnages masculins avec lesquels ils entretenaient une relation ambiguë. With whom they, male friends with whom they have an ambiguous relations. Right, yeah, mm-hmm. That's true. Faites yeah. à la fois de complicité virile. Mm-hmm. Involving complicity. Yes. Mm-hmm. Et de rivalité. And rivalry. Voilà. Yes. Et j'aurais aimé savoir si vous pensiez que d'une certaine manière, ça pouvait être une expression de leur homosexualité latente ou les. No, this is all about guys fucking their friends' girlfriends. Non. Which is frankly heterosexual and not homosexual. C'est de la pure hétérosexualité. Je baise la copine de mon copain. Ok, est-ce qu'on pourrait écrire à propos de l'époque actuelle aux États-Unis ce que James Ellroy a écrit à propos de l'Amérique des années 60? Could what you wrote about the America of the 60s be written about the America of today? Because we live in a media culture today, non, and everything is scrutinized and overly scrutinized, thus there are no secrets. Mais non, puisque nous sommes aujourd'hui dans une société totalement médiatisée, tout est passé à la loupe et donc il n'y a plus de secret. I also write about the time when certain like-minded individuals, both justly and unjustly, were united in their attempts to quash communism. Et mon sujet porte également sur une certaine époque où un certain nombre d'individus étaient liés par une intention commune, celle d'écraser, de supprimer le communisme. A high degree of public accountability exists in America today. Bad men in power can't get away with the shit that they used to.
Aujourd'hui, la situation a changé. En Amérique, les personnages officiels doivent rendre des comptes au public et on ne peut plus, pardonnez-moi, il n'est plus possible de se livrer à ce genre, de malversations sans devoir rendre de comptes au public. La question porte sur les personnages de L.A. Confidential qui sont tous en manque de quelque chose, d'amour. La question, c'est est-ce que la ville, d'une certaine façon, joue un rôle de substitution par rapport à ce que ces personnages cherchent? City serves one purpose in the Roman noir. It's a great place to find cheap thrills and temporary satisfaction. La ville, dans le roman noir, a une place très précise et très simple. C'est le meilleur endroit pour prendre son pied à bon compte. Ah oui, je voulais vous poser une question sur Lune sanglante. C'est possible? Il me semble que par rapport aux autres romans, c'est un des romans qui présente une structure formelle parfaite, dans le sens où, d'une certaine manière, il y a un chapitre qui est chaque chapitre en alternance est consacré soit au tueur, soit à Lloyd Hopkins, et comme une structure feuilletée. Et à la fin, les deux personnages antagonistes se rencontrent uniquement, finalement, dans le dernier chapitre et échangent leur sang. Enfin, plutôt, une transfusion sanguine est faite à Lloyd Hopkins pour... Alors, ma question, c'est... Est-ce que cette structure formelle, je l'ai retrouvée que dans un seul de vos livres. Est-ce que dans les autres livres, il y a une structure aussi, forte, mais qui apparaîtrait moins en apparence? Question has to do with the formal structure. You know what I like about coming to France? Symmetrical French readers. The questions are 40 times longer than the answers. Le public français, c'est génial parce que les questions durent toujours, sont 40 fois plus longues que les réponses. So the question is, there's a perfect sort of symmetrical structure in that one novel. Would you say that in other novels, there's a similar type of structure, but different? I mean, similarly wrought, but different? Boss, I strive for perfection. I hope I achieve it. If it isn't perfect in my mind and in the minds of my first editor, Nat Sobel, and my second editor, Sonny Mehta, the boss at Alfred Akinoff, then it's not going into print. It's got to be perfect first. J'ai bien sûr un idéal de perfection et mes éditeurs aussi. Oui. Si je n'atteins pas cet idéal, eh bien, je ne souhaite pas que mes ouvrages soient publiés. Une toute petite chose encore, c'était à propos de la citation que vous faites de Shakespeare dans Lune sanglante. Quelle affection avez-vous particulièrement pour cet écrivain? Do you have a special relation with Shakespeare? I've never read Shakespeare. Somebody told me about that quote. This woman over here. J'ai pas lu Shakespeare, on m'en a parlé. Your characters would give everything in order to have the system go on all the time. Right. How come they never feel the urge to destroy it? They never want to destroy it. I hate the cheap rebel against the system theme. Sure. My guys have individual agendas. They know that the system will flourish with them or without them. Generally, they are on a crusade to learn something and to find a woman. Le héros bon marché qui veut détruire le système, c'est vraiment pas mon genre de personnage. Mes personnages sont embarqués dans des quêtes individuelles. What was the end of that? Find a woman. Cherchez la femme. Voilà. Bon. Thank you.
Jusqu'à présent, je trouve que l'œuvre d'Elroy avait ce charme de nous emmener dans l'inconnu, même si quand on suivait les romans les uns après les autres, on attendait des rendez-vous. Depuis American Tabloid, on a rendez-vous aussi avec l'histoire et quelque part, on s'attend avant même d'avoir lu American Death Trip à avoir des figures imposées, rendez-vous avec Nixon ou des gens comme ça. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais est-ce que lui, quand il aborde ces nouveaux livres, il a pas un certain... Enfin, je voudrais savoir comment il aborde cette chose-là. Est-ce qu'il ne s'ennuie pas à l'avance en reprenant ce qu'on a déjà entendu des dizaines de fois de manière différente chez d'autres, etc. Daddy-o, nobody has recreated history to their own specifications, their own exacting, extraordinarily powerful specifications than me. If you thought you knew it in what you read before, you were wrong. It's here, it's all new, and it's Elroy. Ouais. Réponse donc... Évidemment, personne n'a proposé la réécriture de l'histoire que j'ai proposée, une réécriture radicale où l'histoire est totalement soumise à mes propres impératifs. Il n'y a là-dedans rien qu'on ait déjà lu. Tout est nouveau, c'est du pur Elroy. Après moi, le déluge. Yeah, boss. Pensez-vous que votre façon d'écrire a évolué? Et si oui, comment? My style of writing has evolved. Oui. Every book of mine is an exercise in language that perfectly speaks idiomatic American, that perfectly states the inner lives and the outer experiences that my characters have. Chacun de mes livres est un exercice linguistique qui a pour objectif de donner une image parfaite, fidèle de la langue américaine telle qu'elle est parlée et de la langue américaine que parlent mes personnages et qui correspond à la psychologie de mes personnages. Qu'est-il venu de l'esprit de Camelot? Camelot Spirit, he was speaking in American Tabloid. Camelot was a hokey, learner and low musical. It starred Julie Andrews and Richard Burton on Broadway. Camelot, c'était une comédie musicale avec je sais plus qui, voilà, c'est ça. And Robert Goulet. Voilà. And it's the King Arthur legend. C'est la légende du roi Arthur, bien sûr. This show ran on Broadway concurrent with Jack Kennedy's spin in the White House. Le spectacle était produit sur Broadway à l'époque où John Kennedy, donc était à la Maison Blanche, oui. Thus, when Jack bought it. Donc, quand Jack, when he bought it, oui, ça a été la fin. They say that Camelot ended just like there was a bad end for the Arthurian language. I didn't get that. La fin de Camelot, c'était aussi la fin du mythe du roi Arthur. Yeah. All it was an American metaphor cooked up by the media in the time to explicate a death that was in reality a botched business dispute killing. Because Jack fucked the mob and fucked the Cuban exiles and fucked renegade elements of the CIA, he betrayed them. By the rules he lived by, he got what he deserved. That's what happened. Camelot n'était qu'un mythe qu'on a inventé pour essayer d'expliquer une mort qui, en réalité, était le résultat d'un coup foireux. Kennedy s'était fait des ennemis auprès de la mafia, auprès des exilés cubains anticastristes, et voilà ce qui s'est passé, et c'est ça l'histoire. By the rules he lived by, he got what he deserved. I never condone murder, it's always wrong. Il a eu ce qu'il méritait, en fonction des règles de vie qu'il s'était érigées. Ce qui ne veut pas dire que je pense, moi, que le meurtre soit qu'on puisse justifié ou justifiable. La plupart des personnages d'Elroy, leur beauté, je trouve que c'est le fait qu'ils sont après une certaine rédemption, du moins on leur autorise une rédemption dans les livres. Est-ce que, avec la vision chaotique de l'Amérique que Elroy nous propose, il croit, lui, en une rédemption possible de la société américaine? Enfin, si rédemption, il doit y avoir. Redemption is possible in individuals. And keep in mind that American Tabloid and American Death Trip, both of which have America and American in the title,
These are not books about America as a whole. These are books about corrupt politicians, hophead jazz musicians, desperate homosexual informants, corrupt police officials, crazy Cuban exiles, renegade CIA men, drug-addicted, homophobic, germophobic, racist billionaires, and the fiends who walk by night. Bon, ben, ça va être difficile à traduire, mais enfin bon, s'il y a de la rédemption dans mes romans, et il y en a, c'est au niveau individuel. Mais n'oubliez pas que, bien qu'il y ait American, le mot America dans le titre American Death Trip, le roman ne traite pas de l'Amérique dans sa totalité. C'est l'Amérique des hommes politiques corrompus, des dirigeants de police corrompus, des exilés cubains à moitié fous, etc., etc., des fascistes, homophobes, racistes, misogynes, merci, etc., etc. Voilà, yeah. C'est cette Amérique-là, mais yeah. C'est pas l'Amérique, yeah. Bien sûr, dans sa totalité. Most Americans are good folks who go to work, raise their families, mind their own fucking business. Qui sont des gens très bien, qui yeah. élèvent une famille, vont au boulot, yeah. etc. Like the French, like the Alsatians, like the Algerians, like the Italians, like the Spaniards. Faut-il que je traduise ? American Tabloïd est truffé de personnages très crédibles. Donc je voudrais savoir, ma question, je voudrais savoir si dans sa façon de travailler, James Ellroy rencontre des gens du FBI ou même des gens qui ont travaillé dans le FBI à cette époque-là ou approché des gens comme Sinatra. Quelle est sa façon de travailler pour un roman, pour le dernier roman, juste ? No, I haven't approached any of these people. I just make this stuff up. I take the research, I bend it to my fictional will, and I meld it all together. And the one question I never answer is what's real and what's not. Non, j'invente tout. Je me sers bien sûr des matériaux qui existent et je pioche dedans et je choisis ce qui convient à ma fiction. Et il y a une question que je laisse délibérément sans réponse dans ma fiction, c'est la question de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Cette question reste sans réponse. Elle est posée, mais il n'y a pas de réponse. Oui, c'est à propos du Dahlia Noir. Donc, j'ai entendu dire qu'il allait être adapté au cinéma par David Fincher. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'idée. Non, c'est pas vrai? It's never going to be a movie. David Fincher's not going to direct it. The movie business is dysfunctional. You can't expect things to happen. The movie of L.A. Confidential was a fluke. Non, le Dahlia Noir ne veut pas être adapté à l'écran. Et l'industrie cinématographique est en très mauvais état. Donkey Don DeLillo, who wrote Libra, and Underworld. Two great, great novels of the past 15 years. Quels sont les auteurs américains que vous lisez? Don DeLillo? Et en particulier Libra et son dernier roman Underworld, dont je signale d'ailleurs que c'est au titre de la trilogie, qui s'appelle Underworld USA. Le dernier roman de Don DeLillo s'appelle Underworld. D'ailleurs, je signale aussi que John Edgar Hoover est un personnage central du dernier roman de DeLillo, comme il est un personnage central des deux derniers romans de Ellroy. While I have a moment, I'd like to introduce my dear friend, my French publisher and editor, François Guérif. Who is in every way responsible for making me la grand fromage in France. Non, voilà, François Guérif, son éditeur, à qui il remercie pour lui avoir permis d'être ici et d'être devenu une star en France. Oui, tout à l'heure, vous parliez en fait de consensus concernant l'assassinat et concernant l'histoire et qu'on avait besoin d'un consensus. Est-ce que vos romans, en fait, ne font pas un contre-consensus? Et est-ce qu'ils ne vont pas synthétiser, en fait, tout ce à quoi on peut s'attendre dans un roman? C'est-à-dire qu'à Kennedy, on va associer la mafia. Bon, en l'occurrence, on ne va pas associer Marilyn Monroe, vous voulez lucider. Mais enfin, vous allez mélanger donc, toutes les affaires de la Baie des Cochons, toutes ces histoires auxquelles un public friand, dont je fais partie, hein, peut s'attendre. Est-ce que vous ne les mélangez pas? Est-ce que vous ne faites pas, en fait, un consensus vous-même sur une contre-histoire, sur une contre-explication? Est-ce que, en fait, vous nourrissez pas un peu une espèce de mythe? It must be in France, huh? Yes, is the answer. Thanks. Because rien n'est vrai, en fait. L'histoire officielle et votre histoire aussi n'est de toute façon une histoire. Donc, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit History alternative. Ouais, une histoire alternative. OK,
Qu'est-ce qui est devenu de What happened to the WASP ideal of the cop? Well, it's still there. We're flourishing. Le flic idéal. Yeah. But now we have Protestant Frenchmen like Pete Bondurant. Maintenant on a des out there breaking legs and implementing public policy at the lowest possible level. Comme Pete Bondurant, un des héros de ce roman qui applique la loi à leur manière en cassant des jambes. Women love Pete Bondurant. Les femmes l'adorent. Pete Bondurant. Yeah. C'est le gars qui fait craquer ses phalanges là. Le monstre protestant. Le monstre protestant. The transplanted Québécois. Ouais. 6'5", 230 pounds. Ouais. 2 mètres. Oui, oh, un peu plus quand même. Hein. Non, 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 non. 2 mètres et 105 kilos. Ouais. Women dig this guy. Oui, il plaît beaucoup aux femmes. He's Sterling Hayden with dark hair. There is a particularly great scene toward the end of American Death Trip with Pete Bondurant. It's an action scene. Pete acquits himself rather well. My wife came up to me afterwards, threw her arms around me and said with awe, do not fuck with Pete Bondurant or Pete Bondurant will fuck with you. It was a great moment. Il y a une scène extraordinaire à la fin du roman avec Pete Bondurant et où Pete Bondurant se trouve confronté à la mort et ma femme m'a dit déconne pas avec Pete Bondurant, si tu déconnes avec Pete Bondurant ça va aller mal pour toi. OK. Bon, je crois qu'on va pouvoir maintenant passer à la signature. Yes. Hein? Let's go sign some books. Voilà.